Voilà, bon, il n'y aura pas d'intro pour. Il n'y aura pas d'intro si je le mets un jour sur YouTube. Coucou YouTube, j'ai fait une intro sur la rediff. Résumé, j'ai joué à Yakuza 1, 2. Yakuza, c'est une licence qui m'intéresse et c'est un jeu que je voulais faire en attendant Cyberpunk. Remercions Tanoki, un de mes viewers les plus fidèles, pour m'avoir fait ce petit cadeau. Voilà, c'est un rapide résumé. Testons dès à présent ce jeu étrange qui est un Yakuza en tour par tour. Voilà, plein d'échecs, hein. L'enregistrement qui démarre pas, le son qui est pas là, et en plus de ça, en plus de ça, le stream ne voulait pas redémarrer. J'ai dû relancer plusieurs fois Streamlab pour que le stream redémarre. Le plaisir. Ok, alors c'est parti. Par contre, mon écran n'est plus. Hop, voilà. Et on est parti. Ouais, c'est bon, je pense. Il n'y a pas de. Merci de s'unir. Ryoga Gotoku Studio, donc le studio qui veut dire. Alors, Ryoga Gotoku qui veut dire like a dragon, comme un dragon. Voilà. Voici un cadeau trousse de secours légendaire. D'accord. Alors, je joue clavier-souris pour l'instant, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Chapitre 1. L'ombre et la lumière. Alors, il y a du doublage hein, sur la plupart des cinématiques, mais je vais le voir comme c'est un RPG. Il y a beaucoup de moments où je ne sais pas d'où. Ouais. 敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。かねて備えた懐刀。幾度夢の中で抜いたことか。積年の恨み。今こそ晴らさん。チョコ財な。手ごめにしてやれ。 Ah, le jeu est beau. Hein. C'est bon, y a pas, c'est pas l'explosion, hein, mais les visages, enfin, les petites mimiques. Le jeu est beau. Hein. Simple mais efficace. Bacana otokodane. Tsujigiri Ginji wa atai nano sa. Mitete kureta kai. Ototsu. On dirait le nanar que j'ai tourné il y a quelques années. J'ai vengé mon père. Il est pas mort! Il ouvre les yeux! C'est du cinéma! Oh là, oh là, oh là, ça a l'air de ramer du cul! Attendez, attendez! Oh là, ça a l'air de ramer du cul chez vous! Attendez 2 secondes! Hop! Est-ce que si je fais ça et que je fais fermer les autres onglets? Hop, et que je fais. Alors attendez, il faut que je fasse 2-3 réglages parce que c'est déjà la merde. Hop. Hop. Ah, le processeur, il galère. Hein. A l'air d'aller un peu mieux. T'as l'air d'aller un peu mieux. J'avais trop de trucs d'ouvert. Oula, ça a l'air de ramer quand même un peu du cul. Hein. Masumi.
紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけで、もう看板気取りかい。Alors, je l'ai mis en japonais, hein. これっぽっちの金で、勘違いも大概にしな。意気があるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか。Putain, c'est sa mère. Sympathique la maman. Ça, c'est le papa. あんたに指図される筋合いはないよ。誰が工業を取ってきてると思ってんだい。C'est une entreprise familiale. C'est dur avec le Covid de gérer une entreprise. トラちゃん。今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。Alors, Mazumi, Nanana, j'ai déjà perdu tous les prénoms. Ah, ça rame du cul. 大丈夫か？マスミ。テッベセグラフィスパプ。紙吹雪は心配する。Je l'ai mis en ultra, je vais peut-être mettre le mettre en haut. 明日トラックの中で父さんが切っといてやる。Après la cinématique. 芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は。Alors, je suis un peu perdu. Normalement, le théâtre Kabuki, c'est fait uniquement par des hommes. Les rôles féminins sont faits par des hommes. Il y a un doublage un peu masculin. Je suis un peu perdu. Oui, c'est un homme. Oui, d'accord. Ok, j'étais pas sûr. J'ai eu un doute. Enfin, c'est un garçon. Enfin, c'était. Soda, Masumi. Yokohama no gakkō no tomodachi ni wa.ちゃんとお別れ言ったのか。友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ。今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ。メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。さっさかんさむでねえファンさ。北京ダックが来る前に、便所に行ってくれ。さぷ。さぷりく。Ah, ça pue du cul. Ah, j'avais dit, hein. Ça sentait le caca un peu. Pour ceux qui ne sont pas au
Courant du style de Yakuza, c'est très inspiré des films de polar noir, hein, à la sauce japonaise, Tosan? mais. Tosan? Bien changé le petit acteur. Ok, ce n'est plus un acteur, je pense. Je pense que c'est un jeune entrepreneur ayant une simple petite entreprise d'impression. Masumi Arakawa, patriarche de la famille Arakawa, une branche du clan Tojo. C'était trop court. Le clan Tojo, donc le clan Tojo, je crois, c'est le clan des précédents Yakuza. Joe Sawashiro, capitaine de la famille Arakawa, une branche du clan Tojo. Ouais, alors... Joe. Ouais, une petite entreprise d'impression, hein. Tout ce qu'il y a de plus légal. Oula, c'est à nous. Poursuivez le voyou. Alors, rien de vaut une bonne poursuite. Parcourir la ville sans percuter d'obstacles et appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran pour attraper votre cible. La jauge de distance vous indique la distance maximale à laquelle elle peut se trouver avant de la perdre. Ok. Alors, attendez. Mais non, c'est pas ça. J'ai pas accès aux paramètres clavier souris, manette. Bon, par contre, si ça rame. Voilà! Oui, je suis mauvais! Je suis mauvais! Ok, je crois que je vais passer à la manette, hein, juste pour ces quick time. Pourquoi tu fais une glissade? Tu t'es cru dans Apex? Bah, il est où? Il est où? Ok, on l'entend toujours. Oula! Oh, j'ai un freeze! C'est une cinématique. Oh, ces yeux qu'on a de psychopathe! Bah génial, c'est vrai que... En plus du port de zoophile, quoi, c'est... Mauvaise surprise quand t'arrives chez toi. Petite pougnette et tu tombes sur un canard et une chèvre. Ah, c'est le tuto combat! Oui, d'accord, double pour américain. Oui, il y a une sale tête. Hello, Kotaka Yoshio! Alors, en combat, vous pouvez choisir quoi faire à l'aide du menu des commandes situées dans le coin inférieur gauche et l'écran sélectionné attaquer pour attaquer avec l'arme que vous avez équipée. Essayez un peu. Ok, j'ai pas d'arme.
Sélectionnez vite attaquer avant qu'un ennemi à terre ne se relève pour lancer une puissante attaque nommée frappe opportune qui inflige plus de dégâts qu'une attaque normale. Et c'est ça qui avait l'air cool en fait, c'est que c'est du RPG tour par tour, mais quand même. Voilà. La jauge roue, mais quand même un peu dynamique, quoi. C'est ça qui était intéressant. La jauge rouge dans le coin inférieur droit de l'écran affiche les PV, l'énergie de votre passe. Si le combat est perdu, utilisez des objets pour restaurer vos PV, des onigiri. En cas de problème, essayez de vous soigner. Pourquoi ne pas profiter pour avaler un de vos onigiri tout de suite? Toutes les saveurs feront l'affaire. Objet. Onigiri au saumon, onigiri. Oh, je suis difficile. Un petit auton. Vas-y, un petit auton. Ça ressemble à Tekken. Ouais, il y a un petit côté Tekken avec la musique là. On est dans un coin de rue. Choisissez la commande parée pour que Kasuga se défende jusqu'au prochain tour. Cela réduira les dégâts reçus au protégeur des saignements et des étourdissements. Si vous devinez que l'ennemi s'apprête à porter une puissante attaque, mieux vaut vous y préparer. Ok, d'accord. Ah d'accord, ok, je... D'accord, et comment je sais qu'il attaque? C'est afin du didacticiel de donner une bonne leçon à Ushio. Oh, je veux une pancarte. Oh, une dernière chose, si vous voyez un vélo, un panneau ou tout autre élément du décor près d'un ennemi, faites une attaque normale pour réaliser une attaque avec arme. Vous pourrez ainsi utiliser l'objet en question ou lancer pour infliger l'important. On change pas les recettes qui gagnent. Pour information, dans les précédents Yakuza, c'est ça qui était marrant, c'est qu'on pouvait ramasser pas mal d'objets dans la rue pour se taper. Mais je vois pas comment je peux me déplacer techniquement. Attaque opportune. Voilà, attaque opportune. Ouais, c'était rapide. J'ai même pas eu le temps de ramasser un objet. Rang de job, rang 2. Niveau 2, rang de job, niveau plus. Oh là là. Expérience professionnelle, expérience. Qu'est-ce que c'est? Niveau plus, plus. Niveau plus, rang plus. PV augmente de 13, PM augmente de 11, attaque augmente de 6. Ça y est, c'est parti pour les stats. Magie. D'accord, magie, d'accord, ok, ouais, je veux bien, je prends. Vous avez appris l'aptitude de job suivant, point tenace. Ah, le job, c'est la classe, en fait. Nanana, aptitude, rang de job. De... Pourquoi tout est en rouge et ça augmente? Ichiban Kazuga. De la famille Arakawa. Une branche du clan. Mitsuyo Yosuma. De la famille. Une branche. Oh là là, les noms. Mitsu. Ah, il a l'air dégueulasse et couvert de sueur. Ouais, alors, on n'est pas des Yakuza, on devrait pas garder le fric. Mais on est des hommes d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord. Un maniaque de la coupe. Ah, je peux comprendre. Les cheveux, c'est important. Ah, pourquoi il n'y a pas... Au revoir la traduction. ガン面にも何発か食らっちまって、かっこつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的に僕にまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことかい。ああ、やっぱりこのエスタテジーっていうか。 プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。
確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか。D'accord, on a ce genre de complexe. C'est pour ça qu'on vend l'argent. Ah, très belle justification du tour par tour. Ah! Pourquoi je sens que ça s'appelle une ironie dramatique là? Ah, donc je croyais que j'allais jouer, mais en fait, pas du tout. Baba Michio. Baba. Ah, ça y est, je peux jouer. Alors, un instant. Je mets la cam. Ok, est-ce que ça rame du cul? Je teste la caméra. Ça a l'air d'aller, hein, le stream. Ça a l'air d'aller. Donc, on a enfin largué partout. Ça y est. Oh putain, la carte. C'est juste... Ok, donc pour l'instant, j'ai pas accès à toutes les zones. C'est typique du Yakuza. Ok, je A pour courir. Alors, je vais peut-être passer paramètres. Paramètres graphiques. On va passer en haut, hein. Voilà, hop, hop. Je vois pas de différence. C'est des petites, mais c'est infime. Mais ça a l'air de... Alors... Les quartiers sont toujours superbement reproduits. Club Sega. Oui, oui, petite dédicace à Sega. Hein. À la base, Yakuza, c'est un jeu Sega. Oh, je peux rentrer. Oh, c'est trop bien. Virtua Fighter. Fantasy. Mais comment perdre du temps déjà? Fantasy Zone. Ça, c'est quoi? Space Area. On peut vraiment jouer au jeu là? Virtua Fighter 5. Et c'est quoi ça? Ça, c'est Virtua Fighter. C'est 100 yens la partie. Je vais peut-être jouer un peu. J'ai 100 yens. Vas-y, petite partie. Est-ce que je joue vraiment? Insérer des pièces. Attends, putain, je peux vraiment jouer? T'as
Il faut pas... Il y a beaucoup de mini-jeux, mais putain. Alors, j'ai un écran bleu. Insérer des pièces. Peut-être que je peux pas y jouer tout de suite. Peut-être que le jeu veut que je fasse des trucs avant. Oh, Virtua Fighter, ça marche? Ok, j'ai appuyé sur Start, c'est pas du tout les mêmes commandes. Oh putain, l'ancienne Virtua Fighter. Shun, c'était l'ivrogne. Shun était marrant, Shun était marrant. Oh putain, c'est le vrai Virtua Fighter. C'est trop bien. Ouais, tu te calmes. Est-ce que ça me rapporte de l'XP, un truc du genre? Oh là là, putain, j'ai l'impression d'avoir ma vieille Sega, quoi. Hop, et le petit exit round. Try next stage. Voilà, ça, garce, les gonaises. Oh, c'est trop bien. C'est con et ça marche. Putain, c'est trop bien, un vrai jeu dans le jeu. Est-ce qu'il est complet? Aïe! Ça c'était ma bouche. Oh la garce. Attends, je vais te tataner. Je suis toujours aussi mauvais. Je suis toujours aussi mauvais. Ok, je suis mauvais. Oh là là, que de souvenirs ce jeu, bordel. C'était un des rares jeux que j'avais. Non, je voulais pas continuer. Ah putain, mon argent. Bon bah tant qu'on y est, hein, et qu'on a dépensé de l'argent. Putain, je suis mauvais, hein. On peut pas faire de pas latéral. Je me fais laminer par l'IA. En fait, j'aimerais afficher les commandes. Ah la garce. Ah moi aussi je peux le faire. Voilà. Ok, on va arrêter de jouer. Quitter le mini-jeu. Incroyable. Un virtuel. J'adore. C'est mettre un jeu dans le jeu, ça plaît. Oh, regardez-moi tous ces nerds. Bon, je vais quand même retourner au vrai jeu. Mais bon, il y a des restos, shop. La bouffe est très importante dans le jeu. Alors, il faut que j'aille au nord, puis au sud. Vas-y, on va quand même avancer un peu dans le jeu.
Désolé, je fous un peu le bordel. Pardon, excusez-moi. Pardon, désolé. Alors. Hop. Je me demande si j'avais pas acheté un Yakuza il y a quelques temps. Je crois que j'avais pas fait que les deux premiers, j'en avais fait un autre. Alors non, je me suis trompé de chemin. Ah, je peux aller par là peut-être. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a rien à faire ici. Ok, je suis déjà perdu. Là, il y a un resto. Fais voir le resto. Choisir dans le menu, choisir la recommandation. Fais voir. Ah, oh, ça me donne faim. Poulet frit. D'accord, effet du menu parfait. Voilà, ça a l'air compliqué. Des PM. Ok, techniquement, j'ai pas besoin de manger, mais je voulais voir quand même. Je me demande si tu commandes, c'est un peu comme dans FF. Ok, non. Pas ici. Ah, attends, il y a un passage, là, derrière, là. Non, pas du tout. Ok, d'accord, pas du tout. Non, je fous pas le bordel dans mon quartier, pas du tout. Je suis dans l'introduction, hein, toujours. Hein. Je perds du temps, je sais. Je me balade. Oh. Qu'est-ce que c'est ici? Je croyais que c'était un bar à loli. Je me suis dit peut-être que... Ok. Ah, les quartiers, se balader dans ces quartiers, franchement, c'est toujours un plaisir. Oui, je sais que je suis à proximité, merci. Mama-san est consternée. Voilà, Mama-san. Elle est déjà bourrée, il est 15h. Le 31, c'est férié au Japon? Voilà. Voilà, fou. Alors, mamie, va falloir arrêter la tease à un moment. Aider, réprimander. Oh! Vas-y, on va l'aider, on va l'aider. On est quand même pas un connard non plus. D'accord, on va avoir des petits choix comme ça. Génial. Gentillesse plus 10. Attends, j'ai une barre de gentillesse. Ok, d'accord. La personnalité de Kazuga peut évoluer en fonction de ses actions. Il s'agit d'un ensemble de caractéristiques qui le définissent en tant que personne. Les affinités lui permettent de gagner différents atouts et bonus, débloquant par exemple de nouvelles fonctionnalités. D'accord, ok. Ah oui, ça a l'air... Voici les 6 traits de personnalité de Kazuga. Passion, confiance en soi. La passion. La passion. Charisme, gentillesse, intelligence et style. Le style, ça me parle. Regardez-moi, regardez ce sweat incroyable de My Hero Academia, c'est pas magnifique. Participer à diverses activités pour développer Kazuga au maximum. Oh là, ça m'a l'air... Putain, ça m'a l'air complet. Oi, Ichi! Takeo no otchan yo. Michio mama wa yopparatteru dake shi. Elle était plus étanche. Imasara nani itten da. Pressea. Coucou Pressea, bienvenue. On va. Sore yori yo. Ouais, je sais, mon suite est incroyable. Comment on va? Attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas suivi là. Faut qu'on aille dans un subland, c'est tout ce que j'ai retenu. Je dis oui, hein, mais on va faire quoi là-bas? Pourquoi pas, hein, mais Est-ce que j'ai mis mon stream en 18+ au cas où
Ah putain, je vais devoir le passer si je veux jouer à Cyberpunk aussi. Alors, c'est loin, mais c'est à côté. Ah bah, ah non, c'est pas là où je voulais aller. C'est là? Ok. Oui, bien en 18 plus. Merci. Merci de confirmer. On sait jamais. Je me souviens pas qu'il y avait de la nudité dans les Yakuza, mais sait-on jamais. Les toilettes sont bouchées, j'ai que ça à foutre. Mais même pas pour les déboucher, c'est pour que je ramène une... Mais il y a marqué Amazon sur mon front ou ça se passe comment c'était un secret. La vieille dame du tabac. Ok, ils me font visiter la ville. Ok, donc je vais chercher des ventouses. Parce que sinon, il va dire à tout le monde que je chiais dans mon froc jusqu'en CM2, c'est génial. Voilà, faut pas avoir trop de casseroles quand on est Yakuza, parce que sinon... Ok, ici... Oh, un petit combat. Ça sent l'attroupement de méchants. Il faut que tu payes la taxe. Et quelle taxe? À la taxe du nouvel an, mon pote. Y a bien des taxes sur les clopes et l'alcool, pas vrai? Pour le réveillon du nouvel an, c'est pareil. Ah, pourquoi est-ce que je devrais payer une taxe? Allez, file-moi ton pognon. J'ai jamais rien entendu d'aussi débile. Ah, barrez-vous de là, bande de guignols. Hein? Mais t'es qui? PTDR? T'es qui? Je me balade, c'est tout. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles pour le nouvel an? Ah, désolé, mais on prend jamais de congé, nous. Nous sommes des voyous. Si tu cherches à faire couler notre petite affaire, on va s'occuper de toi. Ah sérieux, ah, j'ai trop peur, oulala, ouh. Kamurocho a mauvaise réputation à cause de types comme vous et ça me fout les nerfs. Hâte de te la péter, et puis merde, tant pis pour toi, fight. Homme menaçant. Alors la commande aptitude permet de sélectionner diverses attaques spéciales, les aptitudes se dépliquent en 3 types, attaque, récupération, soutien. Lorsque les touches apparaissent à l'écran, vous pouvez porter des frappes consécutives durant les aptitudes d'attaque en appuyant plusieurs fois sur X ou au bon moment sur Y pour augmenter les dégâts infligés. D'accord. Comme la jauge verte dans le coin inférieur droit de l'écran, les PM, points de mental. Ah, les PM, c'est pas les points de magie, c'est points de mental. Ils sont nécessaires pour activer une aptitude. Gardez-la à l'œil. Point tenace. Ok, ça c'est le nouveau truc que j'ai débloqué. Ok, j'ai. Ok, étourdissement. Ah non, 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 j'ai pas fait B. Aïe. Appuyez au bon moment où vos ennemis vous attaquent pour effectuer une parade parfaite et réduire les dégâts subis. Alors attendez, je vais changer un peu mon installation parce que comme je joue manette, je suis pas bien sur mon bureau. Ah, la vieille rêve de la gige. La vieille rêve de la gige. La vieille rêve de la gige. Prends ça de la gige. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Je demande qu'à comprendre. Hein. Les parades parfaites sont possibles tant que Kazuga tient debout, comme la commande parade. Une parade parfaite vous protégera des saignements et des étourdissements tentés d'atteindre la perfection. Ok. Ok. Oh! Ah, et comme ils sont alignés. Ok. Ouais, on se protège quand? Aptitude. Je peux faire que aptitude? Je peux pas faire d'attaque. Ok, je suis en tuto. Oh, c'est bête ça. Ok, faut être quand même. C'est du tour par tour mais réactif. PTDR, t'es. Ah, Jige. Jiraya. Oui, non mais. Oui. Mais surtout au même qui est devenu à cause de ça. Fais chier, la prochaine fois tu n'en sortiras pas. Elle vieillit pas cette rêve, ah, incroyable. Pas de problème. Le soir du nouvel an, c'est encore pire que d'habitude par ici. Les gens sont bourrés, ils font n'importe quoi avec leur argent. Les petits voyous sont à l'affût, alors sois prudent, d'accord? Entendu? Merci beaucoup. Il faut que j'aille voir la vieille dame du bureau de tabac si je veux un débouchoir. C'est vrai que c'est une priorité aujourd'hui. Purée, livreur Amazon, bonsoir.
Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok, je suis à côté. Voilà. Oh, mais vous allez arrêter de me faire chier tous là! Mais il est très bien mon clan, laissez-moi tranquille. Je suis un homme d'honneur. Quoi? Le jeune maître. Ah mais en fait le respect il est mort depuis que j'ai vu Intouchable, ma vie a changé. C'est bon, t'as rendu l'argent? Rends l'argent. Ah ouais, parce que résultat, c'est vrai qu'on a des quotas, donc on a rendu l'argent, mais on n'a pas trouvé. Alors, on est gentil, mais on n'est pas des flèches. Hein. On va casser des bouches. Ok, on est reparti. Public Park Street. C'est à 2 mètres. Bon, je me balade pas trop pour l'instant, mais. Alors, en fait, c'est là où on a déjà cassé des bouches, non? Oh, c'est un gilet jaune. Attention. Ils se réunissent souvent en groupe. Il a l'air costaud hein, quand même. Il parle pas? Il est peut-être muet. Bonjour. Bonjour, c'est Julien. Wow, même nous, on est tout petit à côté en fait. Alors les power bombs, si je me souviens, c'est une prise de catch. Ah, c'est un mec qui a fait l'armée. Ah, il est grand, costaud et il a fait l'armée. Ah ouais, on a peur de rien. Yakuza
Putain, il y a un petit côté Hulk, hein. Entre les épaules, le cou et tout, il y a un petit côté Hulk. On a vraiment la confiance. On va lui faire bouffer son gilet. Mais avec difficulté, je pense. Ah, c'est parti, tag back façon Tekken. Mais non. Ah non, on a peut-être besoin d'aide. Fight, run, one. Voilà, le marteau s'est triché. Ah, ok, il est pas très doué. Oui, c'est Alio. J'ai rien fait. Ouais, ça va, il a pas beaucoup de vie. Aïe, aïe. Et là, je peux me prendre un petit onigiri. C'est parfait, c'est le moment de manger, c'est vrai. Toujours. Mais faut qu'il arrête cette attaque. Il a pas compris. Vas-y, point tenace. Ouais! Shoryuken! Tassida! Bon, ça va, c'était tranquille. On est vraiment. C'est vraiment le début. Niveau, bah voilà, j'ai gagné un niveau en 2-2. Combien de niveaux? Ça m'intrigue. Dans les RPG, c'est niveau 100 souvent. Alors, utiliser un marteau pour un combat face à un homme à main nue. La passion. Bah, y'en a de l'argent là-dedans. Hein. J'économise pour payer l'école à ma fille. Qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais. Mais on a posé notre cerveau dans un coin de la ville ou Qu'est-ce que quoi? Mais faut arrêter d'être gentil comme ça à un moment. T'es Yakuza? Non mais tu lui laisses un billet au pire. Mais... Mon instinct de héros. Ah, ok d'accord. D'accord, ok, on n'est pas... ok. On est quelqu'un. Nous sommes un homme d'honneur. Mais on a besoin d'argent. おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。 Ok, on est vraiment quelqu'un de bien, on n'est pas trop débile. Ah, téléphone.
Oui, mais j'ai rien réussi. C'est un portefeuille vide, il va juste avoir des problèmes. Ok, alors, allez à l'appartement de Masato. Tac, tac, tac. Oh, c'est quoi ça? Boutique d'occasion et bisu. Maluan, espace Nitaku. J'ai envie de me balader. J'avoue, j'ai quand même envie de me balader, mais... Genre, ça m'intrigue, il y a des... ça veut dire mini-jeu sur mon logo. Je peux pas rentrer. Donc je danse devant. Ça, c'est un shop basic shit. Je suis perdu. J'ai envie d'aller voir c'est quoi le petit... Est-ce que je peux? Voilà. On est un héros, mais on aime bien bousculer les gens un peu. Ah, c'est un casino. Annie et les symboles de risque qui se trouvent à vous. Oui, bah oui, oui, oui. Oui, bah oui, oui, mais je suis pas idiot. La partie prend quand vous descendez la barre des 1000 yens, le compteur de la machine atteint 9000. Vas-y, petite partie. Petite partie de machine à sous. Ah putain, je peux choisir. Oh là là. Oh là, Okuto no Ken. A l'air pas mal. Ouais, bof. Ah, j'ai envie de prendre la Okuto no Ken, mais nombre de parties 1500. Ok, alors ça c'est pour savoir que ça ça augmente les chances en fait. Nombre de tours. Celle-là est pas mal. D'accord, celle-là je peux pas parce que c'est une extension. Attends, fais voir l'extension. Ça coûte quoi ça? Les micro-paiements. Ah, c'est gratuit. Machine slot gratuite. Oh putain, c'est... Ok, il y a des... Ok, ceux-là, je peux y jouer. Putain, mais je suis obligé encore. Putain, si je veux certaines machines à sous, je suis obligé de... D'accord. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une machine à sous que je peux jouer tranquille? Non mais toutes les machines à sous en fait. Ok. Alors c'est une extension gratuite mais quand même. Ok, je suis déçu. Ouais, j'ai téléchargé au pire un peu plus tard. Et fais voir, il y a quoi d'autre? Il y avait Marwan. Marwal. C'est un jeu où tu lances du fromage. Si c'est encore des machines à sous que je peux pas jouer, je... C'est des machines à sous. Ah oui, c'est des machines à sous. Je joue aux machines à sous. Voilà, ça a l'air d'être un autre standing. Battle bonus, c'est exactement les mêmes machines à sous. Ah! Ah! Alors attendez, deux secondes. Je regarde, je peux peut-être les télécharger rapidement.
Ah, la mise à jour, c'est 5 gigas. Ah oui, bah on prendra peut-être une petite pause tout à l'heure. Ah oui, quand même. 5 gigas pour jouer à des machines à sous, c'est honteux. Ah, moi j'ai pas de Soundbox, moi je l'ai fait moi-même. Ok, donc machine à sous, pas tout de suite. Un peu plus tard. Déception, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi c'est pas inclus dans le jeu de base. Alors attendez, faut que j'aille où? Tac, tac, tac. Donc. Pardon, désolé. D'accord, ok, c'est juste pour cacher ça. Je me souviens pas si dans les Yakuza. Je crois que dans certains Yakuza il y avait des véhicules, mais je pense que c'était très secondaire. Et les trois quarts du temps on était sous. Je crois qu'il y avait des vélos. Je crois qu'il y avait un truc du genre des vélos. Mes souvenirs sont très flous des jeux Yakuza. Montez. J'allais dire on prend la place du chauffeur, mais c'est vrai qu'ils conduisent à gauche. Faut que j'aille à la résidence du jeune maître. J'ai pas le choix. Oui! Cinématique. はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。いいだよ。あ、ses yeux。いや、des yeux de poisson。いや、des yeux de fou。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。あ、でも、fauteuil、いや、quand même la classe。Pourquoi il est en fauteuil? Masato Arakawa。C'est le chef de famille de la famille Arakawa. Masato, le jeune maître. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop voyant. Avec mon costume Bordeaux. C'est vrai que je fais dans la discrétion. On dirait que je vais à un mariage un peu. まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。あ、一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。Je lui ai pris un gachapon de Naruto. Parfait. もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。Tout le monde nous marche dessus un peu. Alors le jeu, on est sûrement un yakuza en bas de l'échelle, hein, mais quand même. Ah, les clubs. RIP, hein, RIP les clubs, ça n'existe plus maintenant. そこに入る。え？あ、はい。行こうやどん。バーマイソルビワン。Qu'est-ce qui, 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 ça, ça, ça pue du cul. Ça sent le caca. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des médicaments sûrement. Oula. C'est un gros suppôt, hein. Oula, qu'est-ce que... Oh, what? Qu'est-ce que c'est? Nanska? Nanska? Kaigai kara turi yoseta saishin no ephedrine da. L'éphédrine.
ça me dit quelque chose. Nerveux sympathique, ça permet de renforcer les capacités physiques. D'accord, c'est un boost. ちょっと何でそんなもん持ってんすか今日は俺の女の誕生日だ。ああ、d'accord、OK。こんな体で初めて。ジョワジョワ。いや、でもそれやばい薬なんじゃ。Oh là là、ça pue du cul。日本じゃ認可が下りてねってだけの話だ。 Est-ce qu'une pilule de Viagra ça serait pas suffisant? Oh là là, on va le tuer. On va le tuer. Tu peux pas le fais-le toi-même. Je veux pas mettre mes empreintes là-dessus. Il y a d'autres solutions. Hein. Oh putain, il est mort. J'avais dit. Oh, c'est bon. Et là, c'est wouh! Oh là! Et il a pas l'air bien quand même. I can walk. C'est un miracle! Alors, ça m'intrigue d'autant plus de savoir pourquoi il est en fauteuil roulant. Et le fauteuil, on le laisse là. YOLO. Ah, les décors sont incroyables. Alors, je sais qu'il n'y a rien de fantaisiste, hein, mais c'est... C'est des petits détails. Tout le monde en mode, mais il marche? Pourquoi il marche? Mais ta petite amie, c'est une hôtesse? C'est des hôtesses? なんだ体良くなったの?びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは、はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ。すぐだろ。さっきの、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 さ
Yumeno est dans le coin. Tesca. Non, elle est pas ici. Va voir là. T'as un problème? C'est pas la bonne personne. Bah oui, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble. Yumeno est dans les parages? Ça c'est Yumeko. Yumeko? Quoi? Je suis pas assez bien? D'accord, ok. Il y a une grosse ambiance. Elle ressemble à Yumeno, mais j'ai envie de parler à tout le monde avant. Parler. Ah, parfait. Je pourrais avoir une serviette. Alors, désolé, je travaille pas ici. Toi, tu mérites un point dans la bouche. Grâce à moi, tu vas devenir le numéro 1 ici. Oh, ce serait génial! Elle n'est pas là, a priori. Oula, 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 calme-toi! Ouais, ça sentait Yumeno. Vu la robe, la distinction. Elle a l'air plutôt belle par rapport aux autres. Oula, il a l'air dangereux lui. Lui, ça sent le Yakuza au placé d'un autre clan. Ou un policier. J'ai besoin d'argent. Voilà, voilà, beaucoup de familiarité. Ça sent les problèmes. Ah, mais tu vois bien qu'il a pas l'air de plaisanter le monsieur. J'ai pas compris. Ubuesque. Ouais, c'est vrai qu'au Japon, ils doivent pas comprendre. Ça sent le parrain qu'il faut pas faire chier. Voilà, je pense qu'il a l'air blindé à l'autre aussi. Il va faire non, je passe. Ah bah oui, mais c'était sûr, il a l'air blindé. Où c'est un flic? Oh, c'est un flic. Où ça pue le flic? C'est un flic ou un politicard? Un commissaire. Ça sent le commissaire. Commissaire Moulin. Ça sent le flic, hein, ça sent. Je l'avais dit. Oula. Ah non. Commissaire. Ah, j'ai l'œil. Hein. Ah, j'ai l'œil. Je suis un bon. Ça va, il est raisonnable. Il a quand même pris une petite bouteille de champagne, je crois qu'il coûte quand même bien cher en vue du logo. Oui, parce que c'est vrai que les hôtesses, ça commande, mais c'est le client qui paye. Hein.
Monsieur Masato, c'est... Bah oui, bien sûr. Voilà, ça veut dire qu'elles sont moches. Calme-toi. Ah, il est commissaire, il a une certaine position quand même. Ça pue. Ah putain, ça va être un cadeau de merde. Je vous le dis, c'est un gachapon Naruto. C'est un truc du genre. Ça sent le... Un petit gachapon My Hero Academia, vas-y, ça passe. Ou Demon Slayer. Un petit gachapon Demon Slayer. Ça ressemble pas à un gachapon. Un mouchoir. C'est un mouchoir. C'est un mouchoir. Ouais. Si c'était trop bien, je l'équiperais. Si c'était pas assez bien, il me frapperait dessus. C'est un Hermès. Eh hey, mais toi là, qu'est-ce que t'as là? Ichibrel. Allez, traducteur. Les musiques sont pas mal, hein. J'ai vraiment l'impression d'être en train de regarder un animé. Hedwig. C'est une chouette. What? Oh là là! Il y a combien de diamants? Ah oui, c'est sûr que le mouchoir à côté. Oups. Il fait quoi dans la vie, ce monsieur? Oh là! C'est quand même. Ça te regarde? Le prix d'un appart. Alors un appart à Paris ou en banlieue Ça, c'est... Ouais, t'inquiète. Voilà, voilà, ça pue. Elle a pas l'air sincère. Non. Ah non. Eh, vous êtes chiant, mais laissez-le tranquille. いち、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ。行かせてやれ。でもすぐ戻るから。気にすんな。ゆっくり行ってこい。 優しい。 じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。でも、お仕置きされちゃいますよ。でも、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 でも
今度はマンション買うだとか、もう怖くて。あらら。そんなもの。もらった次の日に売ってしまえばいい。Jamais se toujours se méfier des hôtesses. Hein. Ah, mais elle dit petite ça pour calmer le flic. Vendre quoi ? Vendre la montre ? Mais connasse ? Ah, désolé, hein, mais. Tu es une horrible personne. Voilà, il va jamais nous croire, l'autre. Mais comme on est quelqu'un de bien... Oh, c'est à ce moment-là où je dois faire un choix, c'est ça? S'il vous plaît. Non, me donnez pas le choix de lui dire ou de pas lui dire. Si je lui dis pas et qu'il le découvre, ça se retourne contre moi. Si je lui dis, il me croit pas et ça se retourne contre moi. Génial, merci. Par contre, des toilettes aussi peu insonorisées, je ferai que pipi moi là-dedans. Ah. Voilà, bah ça règle le problème. Oui, il a pas l'air bien. Il a l'air triste, déçu et malade. Yare, yare, l'ombre et la lumière. Ah, c'est beau la nuit. Putain. Même quand on sort le téléphone, on est la classe. Ah, quelle bonne soirée de merde. Hein. Ok, je suis libre de mes mouvements. Rejoindre Mitsu. Tiens, je voulais aller voir boutique d'occasion Ibizu. Eh, bisous. Alors non, ça fait 1h20 qu'on joue. 1h20 qu'on joue, on va se prendre une petite pause. Voilà, pour YouTube. Des bisous, on se retrouve incessamment sous peu.